Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera un haul noz. Alors je suis allée chez Noz, j'ai fait quelques achats et je vais vous montrer ça. J'ai notamment trouvé donc Noz et Action, parce qu'il y a un petit truc de chez Action, le cadeau pour l'ATSEM et pour la maîtresse de mon fils. Donc voilà, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors on va commencer donc directement avec les petits cadeaux pour la maîtresse et pour l'ATSEM. Donc en premier, je leur ai pris un petit tote bag comme ceci. Voilà, donc en tissu. Donc avec un petit dessin devant. Donc ça, je l'ai acheté à Noz. Je l'ai payé 1,50 €. Et du coup, j'en ai pris deux et j'ai pris les deux mêmes. Au niveau de la marque, c'est Michel Allen. Voilà, je l'ai trouvé super mignon, ces petits sacs. C'est donc un sac 100% coton. Donc du coup c'est bien parce que ça se lave, ça passe en machine. Donc voilà, je l'ai trouvé très sympa. Apparemment il y avait plusieurs décors sur les sacs, mais moi quand j'y suis allée, il en restait que deux. Il restait les deux mêmes. Donc du coup voilà, j'étais contente, je leur ai trouvé les deux la même chose pour toutes les deux. Donc 1,50 € le petit sac. Ensuite, en farfouillant un petit peu, j'ai trouvé comme ceci des petits bracelets. Alors, je vais vous montrer sur moi parce que je m'en suis pris un aussi. Donc voilà, c'est des petits bracelets comme ça avec un élastique. Donc pareil, que je trouvais assez mignon. Ils étaient à 75 centimes. Donc j'en ai pris un comme ceci qui est le même que le mien. Et j'ai pris celui-ci qui est plutôt couleur argentée. Le mien, il est rose gold. Donc voilà, je trouvais que c'était un petit cadeau sympa. C'est passe-partout pour l'été. Je pense que voilà, ça fait plaisir. 75 centimes. On aurait tort de s'en priver. Ça leur fait voilà, un petit souvenir à porter. Ensuite, mon idée première, donc du coup, c'était de prendre le sac et de le remplir avec des petites choses. Sauf que j'avais pas trop d'idées de ce que j'allais pouvoir mettre dedans. Et en allant à Action, je suis tombée sur des petites bougies, comme ceci. Donc je m'étais dit que j'allais prendre des bougies et que je compléterais avec autre chose. Donc on en a pris deux différentes. Voilà, c'est mon fils qui a choisi. Il a choisi, il ne voulait pas prendre la même pour la maîtresse et pour la tienne, il voulait en prendre deux différentes. Donc voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une bougie parfumée. Elles ont l'air de sentir très très bon. Donc voilà, on mettra ça. J'ai pas le prix, j'essaierai de vous l'incruster si je retrouve mon ticket et que je retrouve le prix de ces bougies. Parce que je m'en souviens plus de tête. Mais voilà. Du coup, elles auront une petite bougie, c'est pareil. C'est du consommable, donc c'est pas quelque chose qu'elles vont garder. Elles vont en profiter sur le coup, et après, c'est pas quelque chose qu'elles vont forcément garder. J'essaye de pas offrir trop de cadeaux, style des mugs. Bon, là, il y a le sac qui reste, mais bon, ça, c'est toujours pratique, un petit tote bag comme ça. Mais j'essaye de leur acheter voilà, des petits produits, des crèmes pour les mains, des petites choses comme ça, qu'elles consomment et qu'elles gardent pas, qu'elles stockent pas, parce que je pense qu'elles doivent en avoir pas mal. Donc, en consommable, j'ai trouvé ceci, que j'ai trouvé trop mignon. Donc, il y a la petite pochette, pareil, qu'elles peuvent réutiliser, ou alors elles peuvent s'en servir, pareil, pour offrir quelque chose, parce qu'elle est super mignonne. À l'intérieur, je vais essayer d'ouvrir sans tout casser pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur.
Donc déjà, rien que la trousse avec les petits pompons, c'est une matière voilà, un peu toute douce. Au niveau du dessin, là, ça fait un peu tropical. La trousse, je la trouve trop, trop belle. Dessus, c'est marqué The Weekender. Et à l'intérieur, vous avez un gel douche, une crème pour le corps et une petite fleur de douche. Je vais essayer de vous montrer sans tout. Parce que du coup, c'est tout emballé. Donc, je ne peux pas vous montrer parce que du coup, c'est emballé, c'est scotché. Je vais pas tout casser. Mais du coup, vous avez. Voilà, la petite fleur de douche. Et vous avez comme ça deux produits, donc un gel douche et un lait corporel. Voilà, donc je me suis dit, ben c'est pareil, ça sent l'été, ça sent les vacances, c'est mignon. Voilà, moi ça me plaisait bien. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez, elle est un peu orange. Voilà, donc il y a la petite poignée pour tenir. Et bien évidemment, j'en ai pris deux, une pour la maîtresse, une pour la tsem. Et ces petites trousses-là, je les ai payées 4,99 €. Voilà, donc du coup, c'en est tout pour les cadeaux maîtresse à tsem. En calculant très rapidement, il me semble que j'en ai pour moins de 10 € par personne. Donc voilà, moi ça me convient très bien. On va passer au reste. Alors, ils avaient pas mal de bouffe, encore une fois. Donc je me suis laissée tenter par ceci, donc de la marque Barilla. Ce sont comme des petits raviolis en fait. Je crois que ça s'appelle des capellettes. Ouais, c'est ça. Des capellettes. Donc celles-ci sont à la viande, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc ce sont des pâtes à faire cuire dans l'eau, sauf qu'à l'intérieur, comme les raviolis, il y a de la viande. Donc là, c'était 2,79 € pour 500 grammes. Et ils avaient la même chose en plus petit paquet. Celui-ci fait 250 grammes, il me semble, c'est ça, oui. C'est toujours de la marque Barilla. Et donc c'est la même chose, sauf que là, c'est ricotta et épinards. Et c'était au prix de 1,49 €. Voilà, nous, c'est le genre de choses qu'on aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris comme ceci des petites saucisses style knacky pour l'apéro. C'était au prix de 65 centimes. Et il me semble qu'elles sont au curry, oui, c'est ça. Donc ça fait 350 grammes et vous avez 180 grammes en poids net et goûté. Vous avez 6 saucisses à l'intérieur et c'est au curry. Donc à goûter pour un apéro ou en repas avec une salade. Voilà, à voir. Alors ils avaient en promo pas mal de petits pains comme ça. Donc c'est du sans gluten. Alors on n'est absolument pas allergique au gluten, mais déjà d'une, par curiosité, je voulais goûter le sans gluten, à quoi ça pouvait ressembler. Et puis en plus c'était des petits pains, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Là c'est marqué pain à panini. Voilà, donc c'était 1,25 € les deux et j'en ai pris deux paquets. Voilà, donc à garnir avec du jambon, du fromage, à passer au grill. À voir si c'est bon. Donc du coup, c'était 1,25 € et il y avait 34% dessus. Donc, je vais voir sur mon ticket si. Bon, je ne comprends pas grand-chose à leur ticket. Donc du coup, c'était 1,25 € moins 34% pour les deux. Ensuite, j'ai pris des petits pains comme ceci. Donc c'est des pains, c'est marqué ciabattine. Voilà, des petits pains blancs. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, il faut les faire cuire. Ceux-là, il faut les faire cuire au four. Donc du coup, ça vous fait des petites portions. Donc ça cuit 6 à 8 minutes.
Voilà, donc à voir si c'est bon. Et celui-ci, c'était 1,45 € et pareil, c'était moins 34%. Donc, dans les promos toujours et dans le sans gluten, il y avait des petits muffins comme ça. Donc, des petits muffins au chocolat. À l'intérieur, il n'y a pas de... il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de lactose. Il n'y a pas grand-chose en fait. C'est pour ça que j'étais un peu curieuse de goûter et de voir le goût que ça pouvait avoir. Donc voilà, c'est de la marque Sharp. Il me semble que c'est une marque qui est quand même assez connue. Au niveau du prix, c'était 2,45 € et pareil, il y avait moins 34%, moins 34% dessus. On va goûter, on verra bien ce que ça donne. Ils avaient également plein de lait végétal comme ceci. On a là une boisson à base de lait d'avoine au chocolat. Donc voilà, ça fait 1 litre. C'est sans sucre ajouté. Du coup, voilà, je me suis dit que pour mes garçons, le matin, ça permettait de changer un petit peu, que d'avoir toujours... mon grand ne boit que du lait de vache, et mon petit, il alterne entre du lait de vache ou du jus d'orange. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de leur faire découvrir autre chose. Et là, du coup, on a une boisson, donc c'est 100% végétal également, et c'est une boisson au riz. Voilà, je ne sais pas si on dit lait de riz, je ne sais pas trop, là c'est marqué boisson riz sans sucre. À voir ce que ça donne, on va goûter. Celle-ci était à 70 centimes, donc du coup, au niveau du prix, c'est très raisonnable par rapport au prix d'un litre de lait. Et celle-ci, il n'y a pas le prix dessus, mais je crois que elle était en promo et je crois que c'était 99 centimes ou 98 centimes. Donc voilà, c'est un petit peu plus cher que le lait de vache, mais ça reste quand même raisonnable. Voilà, j'ai trouvé comme ceci de la marque Knorr des petits bouillons de marmite comme ça à mettre dans les sauces, dans les soupes. C'était au prix de 79 centimes. C'est vegan. Et voilà, moi j'adore ce genre de choses, notamment dans les soupes l'hiver, mais après même dans les sauces, le bourguignon, voilà, tout ce que je peux faire comme plat en sauce, à chaque fois, il y a ça dedans. Donc soit ça ou soit en petite tablette. Voilà, j'étais bien contente parce que 79 centimes dans le commerce, c'est pas ce prix-là. Dernier article, alimentation. Je me suis laissée tenter par une sauce comme ça. Donc du coup, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est une sauce asiatique apparemment. Et donc du coup, c'est marqué pâte de sambal. Voilà, sambal. Comme ceci. Je vous dis, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que je vais faire ça avec des pâtes. Donc voilà, je pense que voilà, je ferai ça avec très certainement avec des pâtes et une petite viande grillée ou du poulet ou quelque chose comme ça. On verra si on aime bien ou pas. Je pense que je ferai ça là début juillet quand les garçons seront en vacances chez leurs grands-parents. Comme ça, on mangera ça que tous les deux avec mon homme. Et je pense qu'il y aura moins de risques que les petits n'aiment pas parce que j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait du piment. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, ils avaient plein de petits débardeurs comme ceci. Donc très très simple. Voilà, donc moi je mets ça l'hiver en tout d'un pull et l'été, voilà, pour traîner à la maison avec un short, c'est parfait. C'est de la marque Ardenne, c'est une marque que j'aime beaucoup, 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 qu'on trouve essentiellement, moi je la trouve chez Noz, je la trouve pas dans d'autres magasins. Et l'avantage c'est le prix, 1,99 €. J'ai déjà acheté pas mal de fringues de la marque Ardenne et je trouve qu'au niveau qualité c'est pas mal et au niveau du prix c'est pas mal aussi. Là je m'en suis trouvé un petit peu vieux rose. Voilà pour cet été ce sera parfait. Ils avaient des sacs à litière comme ceci. Donc c'est une sorte de sac poubelle que vous mettez dans votre litière et vous mettez la litière, les granules de litière à l'intérieur. Je trouve ça plutôt pratique, comme ça une fois qu'on veut changer la litière, on attrape le sac, on met dans la poubelle.
Et on attrape le sac, on met dans la poubelle, et voilà, du coup, on n'a pas besoin de renverser dans le sac poubelle, enfin voilà. Ceux-là, je ne les connais pas. Normalement, je prends ceux de chez Action. Et ils étaient au prix de 99 centimes, donc du coup, au niveau du prix, on reste sur les mêmes tarifs que Action. Et donc, à voir ben, si, s'ils sont bien ou pas. J'essaierai pareil de vous en parler dans mes produits terminés. Ils avaient des feuilles simples comme ceci. Donc, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai deux garçons. Donc, vous avez vu en début de vidéo le cadeau pour la maîtresse et la tienne. Donc, ça, c'est mon petit qui a 4 ans, qui va rentrer donc en grande section. Et j'ai un fils plus grand qui a 13 ans et demi, qui va rentrer en troisième. Donc, du coup, on nous demande toujours des feuilles simples, des copies doubles et tout ça. Et donc là, c'était des paquets de 100 feuilles et au prix de 50 centimes. Donc du coup, ben, j'ai pris comme ça 4 paquets. Comme ça, ben, ça fait déjà un petit peu de fourniture scolaire. Ce que j'aime bien, c'est que les lignes, je ne sais pas si vous verrez, les lignes sont quand même assez foncées. Il y a certaines feuilles où on ne voit pas les lignes, elles sont très très claires. Donc voilà, j'ai trouvé que les feuilles avaient l'air pas mal, donc j'en ai pris 4 paquets, comme ça au moins il en aura pour l'année prochaine. Et voilà, pour terminer ce haul, j'ai trouvé un casque comme ceci, donc un casque Bluetooth. Donc là j'ai que la boîte parce que bah, du coup on l'a déjà ouvert, on a déjà regardé, on t'en est déjà servi. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il est hyper bien. Au niveau de la batterie, il tient hyper bien la batterie. On s'en est servi ben là tout le week-end et on ne l'a pas rechargé. Mon homme s'en est servi, je m'en suis servi aussi. Au niveau de la marque, c'est la marque Kygo. Donc Kygo. Voilà, donc c'est le A3600. Il est compatible avec iOS et Android si vous voulez le mettre avec votre téléphone. Nous, on l'a mis ben, sur nos ordis pour ben, moi pour faire du montage, mon homme pour regarder des vidéos. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous le voyez chez Noz et que vous avez besoin d'un bon casque Bluetooth, celui-ci est très très bien. Et au niveau du prix, il était initialement à 22,99 € et j'ai eu 50% dessus. Il était donc dans un bac à 50%, donc je l'ai payé 11,50 €. Donc voilà. Si vous avez l'occasion d'aller chez Noz et de trouver ce petit casque-là de la marque Kygo, à savoir qu'on a fait quelques petites recherches sur Internet et que ben, en magasin style boulanger, la Fnac et tout ça, il vaut en moyenne une cinquantaine d'euros. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ce petit casque-là. Et voilà, et à 50% en plus, au niveau du prix, c'était vraiment, vraiment pas grand-chose. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!